Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 49e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband, saison 2, 49 épisodes, presque 50, ce qui est absolument encore total pour moi. 50 épisodes, ça fait quand même long, parce que ça fait 50 épisodes fois 20 minutes. Oui, au moins 20 minutes, et ben ça fait quand même beaucoup. Alors, donc, dans cet épisode, il faut qu'on remonte encore un poil de renommée, il n'y a plus grand chose et on arrive bientôt à 100. Et ça va être très très bien, une fois qu'on sera arrivé à 100, ça finira le Let's Play. Alors attendez, on va améliorer ces unités, voilà, un petit peu d'énergie, enfin un petit peu de santé. Du charisme, ça serait cool. Voilà. Voilà, voilà, là c'est très bien. Un troupier saranide. Pêche-mi, voilà, compte machin. Donc là, il faut l'assiéger. Bon bah, assiégeons. On va camper ici. Une fois qu'ils attaqueront... Ok. D'accord, ils sont tous en galère avec la nana, donc... Bon, allez. Vous savez quoi? C'est qui? C'est Cléty? On peut pas la renvoyer? D'accord, bon voilà, elle est partie. J'aimerais la renvoyer, mais en fait je peux pas. Parce qu'elle fout le bordel dans le groupe, et j'aime pas ça. Allez, c'est bon, vous pouvez l'attaquer, le château, il est assiégé. C'est un petit château. Oui, en train d'attaquer Miriam, mais bon. Allez-y! Allez, c'est bon. Allez, rejoins le prochain assaut. On est à combien? 8 et 28, ça fait 36. Contre 30, bah c'est bien, c'est très très bien. On va pouvoir attaquer correctement comme ça. Alors... D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais on approche presque des 300 jours de Let's Play. Presque une année que je vadrouille sur ces terres. Et c'est très très bien, parce qu'en une année, on a fait énormément de choses. Bon, beaucoup moins que certaines personnes. Je sais qu'il y en a qui sont très très fortes pour arriver genre à des renommées de fou. Rapidement. Alors attendez, faisons la place. Je fasse la place, les laisser passer. Non mais oh. Ça c'est avec moi en fait. Ah ils sont beaucoup. J'ai l'impression d'avoir perdu pas mal d'unités là. J'ai vu passer beaucoup de rouge. Allez, ça arrive de nouveau. Allez, ça fait d'XP. Ça fait de l'XP. Allez. Allez, venez là. Oh mon dieu! Arrêtez de popper comme ça.
limite. Je m'en fiche un peu, il m'attaque pas moi. Mais quand même. Oh la vache, qu'est-ce que je l'ai one shot. Ils sont nombreux. Ils sont vraiment très nombreux. Oh merde. Allez. Mais ils sont combien? Je sais pas combien j'en ai tué mais allez! Ces unités-là, elles sont quand même plus fortes, on dirait. Zéro mort, 8 blessés chez moi. Ah ouais, donc c'est pas chez moi. C'est pas chez moi, j'ai cru. Bon, bah ça a été un gros carnage quand même. Ça fait des cadavres. Ça fait des cadavres. J'en ai tué 127. Ah ouais, quand même. Attendez, où est l'unité qui... Là-haut. Personne qui a envie de lui faire sa fête, là, rapidement? Bon, faut que j'y aille. Oh, je suis rouge de sang. J'ai tellement fracassé d'unités. On peut pas savoir combien on en a tué parce que là... Là, j'aimerais bien voir le compteur. Ça doit être un truc impressionnant. Alors... Bon, c'est bon. Il y en a qui sont occupés de lui. Une hache dans le mur. Bon, je suis blessé. Dans le château de Derchos. Allez, on rentre chez nous parce que... je suis actuellement à Jelkala. Jelkala, mais Jelkala, c'est pas la porte à côté. Bon, là, pied, c'est pas très grave. Alors là il faudrait que je récupère des unités mais je crois que je suis déjà passé à l'escurue. Ah non. Yalibé. Le royaume de Vaigir est un labyrinthe de rivalité et de rancune. Les seigneurs ignorent les ordres de leurs suzerains et beaucoup sont prêts à changer de camp. Ok, faudrait juste que je puisse la virer. Cléti, envoyé. Voilà, c'est bon. On a viré Cléti, ils arrêteront de me casser les noix les autres. En disant, ouais, Cléti c'est une grosse tarée. Effectivement c'est une grosse tarée, mais quand même. Elle pouvait avoir son utilité. Oui, d'accord. Arrêtez de vous engueuler avec tout le monde aussi, là. Ah, attendez, il y a une grosse baston. Il y a une grosse baston. Enfin, il peut y avoir une grosse baston. Là, si on le fait, ça va être YOLO. Allez. ...434 contre 227, ça va être YOLO. Voilà, ça va être YOLO, tout simplement. Tenez cette position, vous approchez pas trop, hein, parce que là, je sens le caca. 6, ça fait 24 contre 29... 34 contre 29, pardon. Ok. L'arbre, je n'attaque pas un arbre.
Oh là 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 là, ça va être chaud, je sens. Je sens que ça va être très chaud. Heureusement qu'on a 434 unités, hein, parce que là... C'est tellement casse-pied cette... Voilà. Voilà, ok. 200 en arme à deux mains. Non, ça c'est avec moi. C'est énorme, 200 en arme à deux mains, quoi. Ah. Je sens en arme à deux mains. Ce qu'il faut faire, c'est casser les pieds des chevaux. Bon, les renforts sont arrivés, cool. Parce que là, on se fait un peu rouler dessus, les mecs. Voilà. Vache, les unités montées font très très mal. Elles sont très embêtantes en tout cas. Il faudrait plus de renforts. Voilà. Il y a des chevaux partout, là. Nouveaux ennemis sont arrivés. Encore? Ah, attendez, on va se faire celui-là, si on peut. Non. C'est tellement la galère de viser sur des unités en mouvement, comme ça. Oh, j'en ai pas eu. Et là, je suis bloqué. Je suis bloqué. Voilà. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est casse-pieds ces unités à cheval. En plus elles sont bien équipées quoi. Voilà. C'est la galère. Encore des ennemis qui vont arriver? Je suppose que oui, parce que c'était quand même 400 et des patates. Là, ça va être le premier, la première escarmouche. Alors, ils sont où les derniers? Il reste un là. Ah. Allez, tirez lui dessus. Ah, il se casse. Il se casse. Bon. Ok, bah ça va être vraiment chaud de se battre contre le Kharik Khanat, hein. 392 contre 166. On le met à grand T de 1, on est à 40 contre 23, tenez cette position. Mais oh, mais arrêtez de me rentrer dedans là, vous m'avez carrément traversé. C'est assez n'importe quoi, dès qu'il y a des unités à cheval, c'est... Voilà. Quand même beaucoup moins de kills en étant un cheval. Oh, 44 et ça le tue pas quoi.
Ah, 4! Tellement random. Arrête de partir comme ça! Tellement aléatoire, j'arrive pas. J'arrive vraiment pas à aller. Voilà. Vraiment qu'ils soient bloqués pour que j'arrive à les toucher. Dégagez de là les canassons. Ah la vache. Tiens, casse-toi. Comment ça se fait que j'arrive pas à le tuer? Je lui fais énormément de dégâts quoi. En face, on a 33 de morts. Voilà. Bon. Il reste plus beaucoup, mais quand même. Il reste 3. Ouh. Ça a dû faire mal. Bon. Alors, on en a éliminé 43. C'est pas encore assez. 367 contre 117. Oh la vache, en plus de ça, c'est hyper accidenté. Allez! Viens là. C'est pas visé. Moi non plus. Oh la vache, cette baston va vite me saouler quoi. Au milieu des arbres, avec des unités à cheval, qui arrêtent pas de courir dans tous les sens. Et franchement, y a plus drôle. Allez, pousse-toi. Il reste où? Où est-ce qu'elles sont les autres unités? Je crois qu'il y a... Voilà. De nouveaux adversaires qui sont là. T'en es même pas? 19. En plus, ils ont tous des boucliers, quoi. Oh là là. Tellement pas pratique. Voilà. En plus, c'est des chevaux qui traînent partout, qui arrêtent pas de galoper. Arrête de partir. Allez. J'arrive jamais à les toucher. Ils sont toujours en train de se protéger. C'est horrible. Je déteste ce genre de bataille. Allez, il en reste 2. Il y en a un là. Et juste. Ça fait 20 minutes, mais on va quand même finir la bataille.
Alors, aucune perte, c'est très bien. 352 contre 73. Oui. Bah, allons-y, hein. Là, par exemple, il reste 21, donc ça va être plus qu'à 50. Et oh! Dégâts reçus avec une lance couchée. Il y avait une fermière au milieu. J'ai perdu énormément de vie tout d'un coup. Grâce à une lance couchée de Ménois. Là. Oh la vache. Mecs sont blindés de vie. Ok, les renforts ennemis. Mais comment il a fait pour parer celle-là? Oh là là. Mais celle-là aussi, comment il a fait? Voilà. Unité à pied. Wow. Vous n'êtes pas obligé de vous ramener. Partisan du camp. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette unité? Je viens de tuer une partisane du camp. Alors, quant à savoir ce que c'est, on sait foutre rien. Allez, viens là. Mais... ça, c'est vraiment un truc qui me saoule, c'est cette physique avec les chevaux qui est juste atroce. Truc qui fait que le cheval s'arrête, qui perd toute son inertie dès qu'il rencontre un obstacle. Ah non, je vais pas me replier. Alors, on en a éliminé 39, donc il en reste à peu près autant. 335 contre 28, c'est très très bien, on va pouvoir les attaquer. On va finir ça. Je suppose que les... ah non, les 28 sont pas là. Et je vais pas dans la bonne direction du tout. Oui, il y a des unités à pied. Ce qui veut dire que je peux les gérer. Ouais, sauf si elles arrêtent pas de parer mes coups. En tout cas, je peux les gérer en partie. Arrête de parer mes coups! Ah la vache, j'arrive même plus à faire des unités de base quoi. Toujours en train de taper sur le bouclier. Oh la vache. Ok. Reste plus beaucoup. J'arrive même plus à les tuer. Infernal. 25 unités. Tata. Nickel! Ok, on les a eus. On les a eus. On va pouvoir arrêter là l'épisode. Ah ah, des gants en cuir, je connaissais. Ah oui, mais ça sert à rien, y'a rien dessus. C'est pas grave.
C'est pour la classe. Pour le style. Bon, bah on a éliminé une bonne... comment dire, une bonne armée adverse, qui est très très bien. Voilà, on va pouvoir monter les unités. Très très bien. Et on est bon. Bon. Et ben, dans le prochain épisode, on va continuer de... Bah de... D'harceler un petit peu le royaume Kharghit-Khanat. Voilà, il faudra aussi qu'on protège Almar, qu'on récupère des unités, qu'on augmente notre renommée. Et si possible, qu'on monte de niveau pour augmenter... Alors attendez, monte de niveau... Ah oui, c'est encore loin. Qu'on monte de niveau pour augmenter le charisme, ce qui nous permettra d'augmenter la le sens du commandement. Ok. Bon, et ben, on va faire ça, on va faire tout ça dans les prochains épisodes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous avez si vous n'êtes toujours pas abonné. Et quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous !